Bonjour à tous, petite histoire, Coco Dodo. Aujourd'hui, c'est mercredi. Coco a beaucoup joué avec ses amis. Au dîner, il ne veut pas manger sa soupe. Il bâille très très fort pour montrer qu'il est fatigué. Va vite te mettre en pyjama, dit maman. Mais au dessert, il y a de la mousse au chocolat et Coco ne bâille plus du tout. Maman trouve que Coco exagère tout de même, hein. Pour se déshabiller, c'est bien plus drôle de lancer les vêtements en l'air. Et hop, une chaussette sur l'armoire, et hop, l'autre sur le coffre à jouets. Et hop, le pantalon sur la lampe. Mais Coco entend les pas de maman. Vite, 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 dans le lit, il fait semblant de dormir. Maman soulève la couette. Coco, tu n'as même pas mis ton pyjama. Maman raconte une histoire. C'est toute petite histoire de rien du tout. Coco en veut une autre. Ça suffit, dit maman. Il faut dormir maintenant. Elle fait le bisou et laisse la lumière bleue. Coco n'a pas envie de dormir. Il se relève et il joue avec sa voiture de pompier qui a une lumière rouge et qui fait pim-pom, pim-pom. Papa fait la grosse voix. Veux-tu te recoucher tout de suite, Coco? Dans son lit, Coco entend tous les bruits de la maison. Le chat qui miaule, papa et maman rangent la cuisine en écoutant la radio. C'est pas juste, lui aussi il voudrait écouter sa petite radio à lui. Il se lève et il met un disque qu'il aime beaucoup parce qu'il y a du tambour dedans. Le tambour, ça donne envie de sauter et de danser. Coco danse comme un fou. Il prend l'ours Nestor et il danse avec lui. Il met la musique plus fort, encore plus fort. Ensuite, il a une meilleure idée. Il grimpe sur le lit et il saute. Ça rebondit bien, les lits, c'est trop rigolo. Il saute de plus en plus haut, il rit avec Nestor, tellement il est content. Et tout à coup, crac! Un bruit terrible. Le pied de Coco s'enfonce dans son lit. Maman entre. Coco, qu'est-ce que tu as fait? Elle soulève un peu le matelas. Mais tu as cassé ton lit! Une planche est fendue en deux. Il va falloir la changer, Coco est tout penaud. Et maman est très fâchée. Il faut mettre le matelas par terre maintenant. Coco est tout triste. Il pleure un peu. Maman dit, tu ne sauteras plus jamais sur ton lit, Coco. Coco renifle très fort. Non, promis, maman. Il voudrait quand même un bisou. Maman fait un gros bisou ventouse. Coco bâille un grand coup. C'est fatigant à la fin de sauter. Maman s'assoit par terre à côté de Coco. Écoute cette musique-là, mon Coco. Elle est faite exprès pour dormir. Et maman chante, chante et Coco s'endort tout doucement. Voilà, merci.